Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales, ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. La Ligue 2 BKT qu'on retrouve tout de suite avec une rencontre passionnante. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare sans aucun doute. Le football, c'est ça qui nous rassemble. L'amour, la grâce, la fusion. Dilatez vos chakras. C'est le premier ballon dans ce match. Ouais, le jeu sur les ailes pour progresser, c'est intéressant. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Pas assez de concentration sur cette passe. L'action se poursuit. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Bon arrêt du gardien. Oui, à deux, c'est bien fait. La frappe contrée, sans souci. Et encore une frappe contrée. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Et un ballon facile pour le gardien. À bonne pression pour reprendre le ballon. Boissier. Ah, attention, le ballon leur échappe. La faute est signalée par l'arbitre. Coup franc. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Ouais, bien fait, bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oui, il y a faute bien sûr. Et coup franc accordé par l'arbitre.
Tobin. La frappe. Ah non, c'est contré. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Abdi. Le ballon donné dans le dos. Rien de très difficile sur cet arrêt. Danger. Mendes. Trajectoire bien coupée en pleine surface. Tobin. Alexandre Mendy. Ah, et ce ballon est repris suite à ce duel. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Et il prend sa chance. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Abdi. Très bonne intervention. Le ballon en touche. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Le duel pour récupérer la balle. Un ballon rendu à l'adversaire. Attention, la frappe. Vraiment pas de danger sur ce ballon, c'est pour le gardien. Et ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Ouais, bien fait, il est passé. Et la frappe, c'est pour le gardien, sans problème. Ah, c'est pas bien relancé là de la part du gardien. Et c'est pour le gardien, aucun problème sur ce ballon. Ouais, une bonne charge. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Le ballon leur échappe. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Et le tir, facile pour le gardien. Ouais, bonne récupération du ballon.
Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Ballon pour une frappe. Goal ! Le premier but mérité pour cette équipe, tellement elle maîtrise son sujet. Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté, ce qui permet derrière de transmettre toute l'énergie. Quelle frappasse ! Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Daubin. Ah, le contact sans faute. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah, la faute, elle est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé. Attention, et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Changement pour Rodez, sort du terrain. Le numéro 18. Le changement est demandé et il a lieu. Ouais, la parade. C'est bien parti pour ce corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Voilà une bonne séquence de possession dans le camp adverse. Eh non, c'est rendu ça. Quelques secondes pour temporiser. Abdi. Zadi Seri. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Ah, le bon réflexe là. Ah, c'est pas bien relancé ça. Cette parade est très importante parce qu'elle autorise son équipe à rêver à l'égalisation. Allez, voyons comment l'équipe va rebondir après cette parade. Et changement pour les deux équipes. Le numéro 10, Kamel Zadi, remplacé par le numéro 8, Jesse Dominguez. Changement pour Rodez. Joueur sortant, le numéro 11, Joseph Mendes. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Le numéro 25, ah, la perte de balle. Alexandre Mendy. Le propriétaire du véhicule immatriculé GF778PT. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Ah, il peut conclure. Voilà, le gardien s'impose facilement. C'est un ballon intercepté. Bonne vision là avec cette passe. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Clément Depré.
à bonne pression pour reprendre le ballon. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. L'action continue, c'est une bonne séquence. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. La frappe est bien contrée. Ce ballon est intercepté. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Abdi. Interception réussie, ballon récupéré. Boissier. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Oh, l'intervention! Ça y est, c'est donc la fin du match avec une explosion de joie dans le stade parce que c'est une victoire à domicile. Dans ce genre de match, les trois points, ils sont liés aux détails du destin, du karma. Appelez ça comme vous voulez.